On a biso et honneur monnaine Zali e Belé en train de nous suivre sur Congo Life de Télévision depuis l'est de la République Démocratique du Congo les dames et messieurs nous disons merci de votre fidélité nabaïe nyonsouba Zali la diaspora tout le bimoyio à moté qui amboté nous moté naba tout le spectateur bansouba Congo Life Télévision moté naba les Bakéi na Kolanda beto na diaspora ina diaspora, Na lobimbote. so Oyo basali décide aujourd'hui de mettre fin à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ponalelo na yeli susuko, pesabino basango yamakambo, Ezoleka Zoleka dans l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, et messieurs, suis Kibingila David, journaliste d'investigation basé en République Démocratique du Congo dans l'est du pays. Déjà aujourd'hui, plusieurs Congolais se posent des questions pour savoir c'est quoi la situation sécuritaire actuelle sur les lignes de front. Bozali Belé, Bozo Mitouna, Bamitounawana, Bozali besoin, il y a quoi la vérité autour de ces choses. Je vous avais dit ici l'autre fois que... Donc il y a eu une accusation d'investigation, sur plusieurs choses, sur plusieurs magambos, sur plusieurs magambos. Bah tu es bel et lo, tu as utilisé bangoloko la barre armes numériques. Il y a Rwanda, il y a les Belés congolais, les Belés rwandais, les Belés ougandais, les Belés ya ya Bakenyir. Bah ça y est, bel et lo tu as utilisé bangoloko la barre armes numériques. baza nsima ya baordinater nsima ya batélefone pour détruire la vraie information pour casher la vraie information mosala na biso mosala na ngai eza kokende ntina mozindo kokende pour vérifier l'information pour vous aporter la bonne nouvelle et la reyeule soki baza banguna baavance tokoloba awa banguna bazo avance frdc fo atake banguna soki eza frdc bato bazwi position ya bie bazo avance tokoya awa tokoloba frdc nde bazo avance e a cete fait nakendaki kosala investigation pour comprendre quetce qi fait que depuis de semaines lya pas desaffrontement dans le territoire de masisi nini ezosala yango pourkui mikolo oyo banguna bazomiconcentre mingimingi das le territoire de routuru Je suis parti pour savoir la vraie cause de Biloko Bilo Pourquoi les rebelles ont largué la bombe dans le territoire de Niragongo, le temps que ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a pas eu des affrontements dans le territoire de Niragongo. Nini Oyo et Tindi Bango, Lelo. Basala la Bilo Et voilà donc ce que j'ai obtenu. makambo oyo nazwaki yango nalingi natangela bino eza ebele tokotaki mpo na kotuna basource na biso mosusu sequi la vrai information autour deekan ya bayonga tokotaki na mozindo pour découvrir oyo bato bazo cashe oyo bato bazobomba lelo bato bazolinga te emonana na miso kongole oyo aza na istanbul kongole oyo aza na canada Comment est-ce qu'il saura la vérité sur la situation dans l'est du pays s'il n'y a pas quelqu'un qui se donne à au moins pour la vraie information? Congolais Congolais comment il sera motivé de savoir si les FARDC avancent ou pas? Et il faut toujours battre la Likamo. C'est pourquoi tous les, les Journaliste d'investigation. Pour donner la vérité sur ce que les autres ne peuvent pas donner. On commence avec le territoire de Ruchuru. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté Depuis ce dimanche 16 juin 2024, une marée de rebelles, dont des officiers et sous-officiers, avec une logistique de trois dupes, Ambulance, 7 dupes 4 x 4, 5 camions de marque Kamaz se, se rassemblent à Kichanga autour des leaders du M23 RDF, dont le général Baudouin Ngarouye, pour réorganiser efficacement. Les premières informations indiquent que les rebelles M23 RDF. Peine a encaissé les lourdes pertes humaines et de fait l'air infligé par le FRDC sous le commandement du général-major Chico Chitambouesir Laksé Kanyabayonga. J'explique la première partie. Information à Neza Koloba. Après Peine Oyobazouaki. après koinflige bango perte monene oyo babungisaki materiele na bango bato na bango bakolonel ya mme d génro ose ya rebelio ya m23 oyo bakufaki oyo bazaba ya rduf parceke toutefois bakufi esengeli kopresise yango soite baza ya rduf soite baza ya updf soite bazali oyo ya kenya bato bazosignyale apres koinflige bango perte monene iserenforce bastationne na kicanga heureuseme yango tozwaya awa koinforme frdc esi eyebi ke baza wana cetàdire disi mpe bokoyoka babombarde mpe na bapositio ya bango kuna parceque cete foisci frdc ezolala te odela ya kobuma bango ndenge babumaki bango aroturu ya masisi iseso encore renforce keskue ye la suite Selon des indiscrétions, les rebelles du M23 tenteraient une manœuvre de dissuasion en déstabilisant le front nord de Goma sur l'axe de Kibumba, en fait de détourner les tensions des FRDC de l'axe Kanyabayonga. Dans les bits, ils timent de surprendre l'armée congolaise sur cet axe et de poursuivre la progression. Ba M23, a Kizé, Yangon Aibisakibino, dès le départ de cette émission, Salaki, Mikolo Ebele, il n'y a pas eu de front dans le territoire de, 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 de Niragongo. Ils ont encore lancé des bombes sur Niragongo pour essayer un peu de distraire l'armée congolaise afin qu'elle soit lâchée à Kayabayonga pour qu'elle soit concentrée dans le dernier verrou de sécuritaire à Goma. L'armée, ça, c'est ebetaki bango ni de lautre coté ni awa c'est àdire larme asi bien garde sa vigilance oyo elingaki ezala trompe na barebele ya m23 esimbaki te cetàdire manœuvre nyonso oyo bazalaki kosala parceque vous avez entendi ki a u de bombe kiso tombe ma babombe oyo ekweaki esalaki eloko te awa na kati ya teritwire ya ngiragongo Penepene, yavile, Yagoma. Il faut signaler qu'un mois après de temps combats sur l'axe nord, dans la chefferie de Buito, les rebelles M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda n'ont toujours pas réussi à percer miraille dressée aux alentours de Kanyabayonga par le général-major euh, Chicochi Tambue. le commandat de troupes coordonné par le lietna général ful sikabwe coordonateur des opérations au nord et au sud kivus <coughs> <coughs> nyonso oyo bazosala sur le front nord cestàdire tozwi rwindi tozwi kanya bayonga tozwi kiulu kikuku banzela nyonso wana bamanœuvre nyonso oyo bazosala ezw abotir te Malgré que ça la nyoso basali pour que kanyaba Tous qui sont en train d'essayer s'en tue pas. Et comme vous l'aviez entendu, il y a quelques jours, ouais, c'était vendredi, vendredi la semaine passée. A été vendredi la semaine passée, une précision détail sur ce qui se divulgue, sur les réseaux, les réseaux sociaux, c'était des camas de dupes. Qui transportaient des hommes. Il oh, y a RDF, UPDF, n'avait munitions. Ils venaient pour renforcer leur première ligne à, 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 à Rwindi. Mais Simba quitté. ça n'a pas tenu. Et Simba quitté. Oh, ça n'a pas tenu comme eux le voulaient. Les FRDC ont largué de Bombe sur Bamitou Kawana. Ni Batou. ni batu sivosple ni batu ni baminition ni biloko nyonso bazaki nango iso pri fe nyonso ezwaki moto biloko na bango nyonso na bato wana bakufaki wana ce parlaou motu na bango moko un kolonel charger ya renseigneme ono de teo irio seteo iriho akufaki ye pe na likambo wana lekole du lietna colonel m23 tiwe par le frdc surlax ekanya bayonga et arive ya bwiza uyila ete enime selendi dans une atmosphère chargée d'émotion afirme notre source dans la zone kolonel moko mosusu akufaki surlax ekanya bayonga babomaki ye ba frdc aza kolonel moko ya Il y a un M23, Yépe Bakunda qui est à Bouiza. Donc Bamoko, Bazokunda, Bangor à Congo, Bamoko, Bakundi, Rwanda. Incapable d'occuper ni d'approcher la commune rurale de Kanyabayonga, à la limite entre les territoires de Ruchuru et de Loubero, la coalition M23-RDUF-AFC jette des bombes entre et tient un civil. Alors que l'armée congolaise FARDC maintient fermement ses positions à plus de 14 km de la cité de Kanyabayonga, la coalition M23 RDF-AFC a lancé plusieurs bombes à Kanyabayonga ce dimanche 16 juin. Selon la société civile locale et d'autres sources hospitalières, les civils ont été blessés lors de l'explosion. Certains sont malheureusement décédés ce lundi 17 juin dans la bombe. Oh, jusqu'au Babwaka qui na Katia, y a cité à Kanyabayonga. Oh, le basi ba longité cité. parce que, que, que la cité on essaie comme le Bango un vrai problème, obstacle mûnne parce que Bahéphar décide de maintenir la position à Bango. Pour l'instant, la situation est calme dans la commune de Kanyabayonga. C'est lundi 14, c'est lundi 17 juin 2024. Après quatre bombes larguées par le rebelle du 1-23 dans la soirée du dimanche 16 juin au quartier Guité-Kanyati, explique un cadre de base joint au téléphone. Un habitant a été blessé par des éclats de la bombe la soirée du samedi 15 juin dans son champ à Bouhira, à plus de 3 km partie est de la commune de Kanyabayonga. Il vient malheureusement... De succomber de ses blessures à l'hôpital général de référence de Cacaïna, ce lundi 17 juin 2024. Selon la famille de la victime et des sources hospitalières de, source hospitalière de Akanya Aka Mouindo Mubawa Kadima, âgé de 45 ans, un habitant du quartier qui a timba en commune rurale de Kanyabayonga. il vient de laisser une veuve et huit orphelins. apréciser oui, enfin, une source médicale do noute1le9o pour de raison sécurité bombe oyo babetaki après ko eshuer likambo oyo bazalaki kotente pourke bamona boni bakosala yango esimbaki te esimbaki te esalemaki eke le tempske bazolonga te korecipere site akan ya bayonga le temps kuil devienne ible À ne pas conquérir la victoire sur la cité de Kanyabayonga, il décide de larguer des bombes sur la paisible population, paisible citoyen. Alors, après avoir lancé des bombes sur les civils M23 et déclaré, les lots ont déploré. Le fait que le gouvernement congolais a stoppé la circulation entre Goma et Ruchuru. Et que le gouvernement est Fungolan Zelawana. Bon, il bien ce que je suis en train de dire. Il y a bien ce que M. Youssouf est en train de préciser ici. C'est pour la nation, c'est la nation ou rien. La coalition M23 RDF AFC dénonce la fermeture de l'axe routier Goma-Ruchuru. Nous condamnons fermement la fermeture de la route Goma-Ruchuru par le régime de Kinshasa. Une décision qui illustre une volonté délibérée d'enclaver la ville de Goma en dépit des appels répétés de la communauté internationale en faveur de réouverture de cette voie essentielle d'approvisionnement a déclaré cette coalition dans un communiqué rendu public ce lundi 17 juin. Gouvernement est décidé depuis 2023, depuis 2023 depuis le 2 mars 2023 Babouma qui Batunaka,

réouverture ré ya nzela wana balobi no esengeli guvernemant efungola pourke bato babanda kokoma kuna esengeli guvernemet efungola nzela wana bango nde baza enclave deja laba ce esufre -e dej -ja laba ce esufre -e laba il ya plus de communication entre esekiso agoma esekiso arotsuru dans le sens que balingaki bautilize mpe bato babanda koya lokola bapasager babima barwandais ya routuru pour venir espionne a goma arme etalaki mosika epuis et bakangaki nzela wana lelo bango babandi kodeplore lefeite kue nzela ekangami babandi kolela esengeli nzela wanaefungwama esengeli nzela waaa esengeli nzela wana efungwama bango nde babandi ko kolela gouvernemet ne sed pasasela eresemet boyokaka biso eresema boyokaka peuple kongolai tika basoufrire kuna bazofaire soufrir bato baza na bango bango nde babandaki koloba kenooyo izo asphixier y la ville de goma mekoma encore bango nde bazolela eke aprovisionneme esengeli ekoma na goma Non, non, bah, je l'ai côté je l'ai toujours dit ici Naza pé avocat ya moutoute. mais comme estiment plusieurs congolais nanga regrettera de ce choix qu'il a porté nanga regrettera de ce choix qu'il a fait naza juge à awa naza avocat ya, ya Moussa awa musala nanga ko pesaka information ndenge sengeli mais ce que nanga a fait akoregretaka <laughs> vi na ye mobimba tosuk awatosukela awa, awa likambo kinshasa ministre de la justice aye moto likambo lizosalema ministre de la justice bakongole ebele bazotieela e ye miso koyeba eke ya aza motu oyo akokata corruption tia na commentaire qeceque vous entende de consta moutamba oujourdhui ministre de la justice oyo azosalela deja ke na bahomosexuele bakobanda kokanga bango na bato oyo bazosala bizaleri na kati ya mboka bakobanda bako, 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 Au Kangabango. moni idée, comment appréciez-vous l'idée de Costa Moutamba Le ministre d'État Costa Mutamba signe sa première action, la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Il a à cet effet échangé avec Jules Alinguet, le patron de l'UGF, inspecteur chef des services de l'UGF RDC. Ces échanges ont tourné autour de la lutte contre la corruption, des enquêtes sur les fonds destinés aux victimes de Kisangani, ainsi que des fonds alloués à la réhabilitation du palais de justice. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, nous a demandé de faire indulgence, en fait de lui transmettre... Les rapports des trois dernières années, il y a établi des faits de corruption et criminalité financière pour que le ministre de la Justice s'en occupe lui-même d'une manière personnelle. Deuxièmement, il y a une série d'audits qui viennent de débiter à l'inspection générale de finances, notamment l'audit de tous les fonds mis à disposition de la République pour. L'indemnisation des victimes de Kisangani, ce travail a déjà commencé aujourd'hui. Enfin, il y a aussi l'audit sur la réhabilitation du palais de justice par 1000 vestes, explique Jules Alinghetti, le directeur de l'ijef. Hier, Azamokonzi aijeuf, l'obie Azalaki na Costa Mutamba ou Azali ministre d'état, ministre de la justice, garde ce. Il Y a la République démocratique du Congo qu'est-ce que vous entendez de lui Faso Azomoni sakayema kasi. Makasi. ngeli congolais ba accompagner du ferama boma oyo Bazo ba critique à l'égard de tous. Les lo ba ye na ba panique lo même directeur à cabinet chef de l'État Azarwandé. Wani bilobeli. Donc vous il suffit que quelqu'un obtienne poste moko sukiaza ya est et kati ndengewana te es, c'est pas bon ça il faut changer déjà mentalité wana et singeli ko changer yango pe totalela kabiloko na la, kabilo la direction a bien il y a des gens oyo basana ba compétences et singeli to accorder bango chance ya kosala accorder ces gens qui ont des visions surtout que balobi ba ministres ba ko banda ko vérifier chaque 3 mois Il faut ma oyo oh asala ki nini ni na kati bala vision c'est pas vision ya mutu c'est pas vision ya mutu mais vision ya rdc si pilier oyo bazana ngolo projet si piliers oyo bazana ngolo programme et ça bazana defi munene ya ya plus il y a 92 milliards dans les 5 ans c'est-à-dire na béquivalence l'équivalence de 10 milliards par an Et ça, oyo esengeli c'est pas moindre e travail mobilisation ya bafond wana commenetceqe bakosala pour kosala batrat de via ba institution wana ekita mbongo ekoma tina kati ya bapopulation c'est un travail e motu nyonso oyo aza na bone idée ifaut koaccompagne ye ne luimontro pas que ce pas possible tomonisae que c'est possible de faire une chose azala ministre da jeunesse azalaministre justice azalaministre ddéfense Tout le monde sait que et sa responsabilité de c'est -ce pourquoi je vous ai toujours dit qu'est-ce que vous entendez du gouvernement souminois vous entendez des Non. Parce que vous n'allez pas les remplacer. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent concrètement pour la fin de la guerre? Yo vous bazolo diplomatie continue. Yo proprement dit de partout où vous êtes. Yo, au proposé, Nini et Salema. Voilà donc la fin de cette émission. J'étais Youssoufou. Kibingila, David, du début jusqu'à la fin, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons merci de votre fidélité. Je reste disponible au plus 243, 9, 93, 46, 71, 93. Retenez aujourd'hui, sur toutes les lignes de front, l'ennemi est neutralisé. Dans le territoire de Massissi, il n'y a pas les affrontements parce que les rebelles ont perdu beaucoup de l'air d'une manière ils n'ont même pas encore la force de se réveiller pour recommencer encore les opérations ainsi tous ceux basés Kimia à Munguna T on va continuer poursuivre les opérations et pour voir comment est-ce qu'il va commettre fin cette agression rwandaise merci les dames et messieurs excellente journée à vous bon mardi à vous tous et à ce mercredi pour d'autres actualités